sua mãe me conhece? Você já esteve aqui? A menina devia estar lá já faz um tempão. Mas você acha que só pode ser alguém que me conhece, que conhece a gente? Quem foi que te trouxe aqui? Foi sua mãe? E agora, o que que eu faço? E aí, mãe? Pois é, e aí? Mas você acha que eu não tenho problema bastante na vida ainda, Wanda? Essa hora some todo mundo. Vivo! Onde você tá? Você achou? Un film qui raconte l'histoire. Il commence quand deux enfants sont laissés devant la porte d'une femme qui habite à Ipanema, qui est un quartier aisé de la ville de Rio, au Brésil. Et on ne sait pas trop bien pourquoi, eux non plus ne savent pas bien pourquoi ils sont là. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils ont un petit bout de papier sur lequel est écrit son nom à cette femme et son adresse. Et leur mère leur a dit qu'elle n'allait pas tarder, qu'ils attendent là, qu'ils restent là. Et petit à petit, le film avance et on commence à comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé à travers la quête de cette mère. Pendant le tournage de mon film précédent, qui s'appelait Mutum, il y avait une scène dans le film, vers la fin de l'histoire, dans laquelle la mère donnait son fils à un inconnu en espérant donner à son fils l'opportunité d'une vie meilleure. Et en fait, c'est un genre d'histoire qu'on entend souvent au Brésil et que je pensais connaître. Mais au moment de préparer la scène, je me suis rendu compte comment c'était compliqué de comprendre vraiment depuis l'intérieur la complexité de cette situation, de se mettre à la place de chacun. Et après, ça m'a obsédée. Et donc, quand le film était terminé, j'ai commencé à faire des recherches. Je suis allée dans des centres sociaux, j'ai interviewé des enfants, j'ai écrit des histoires. Et c'est un peu à partir de là que ce film est né petit à petit. En même temps, le Brésil traversait un moment de beaucoup de transformations. Il y avait des travaux partout. C'était en train de changer à une vitesse incroyable. Et ça aussi intervenait beaucoup dans les relations sociales, dans la façon des gens de circuler dans la ville. Et en fait, tout ça s'est mis ensemble de façon assez naturelle. Et j'ai rencontré beaucoup d'enfants dans des abris qui avaient été laissés par les mamans, d'autres qui avaient été accueillis par des familles. J'ai beaucoup discuté avec des assistantes sociales. J'ai interviewé des gens différents. Nós vamos procurar a casa da sua avó hoje. Se a gente não achar, é daqui direto pro abrigo, tá entendendo? Ele, corre! Ivo, mãe, faz alguma coisa! Eu vou voltar pro abrigo? Você sabe por que você não quer levar o garoto pra casa? Você sabe? Porque no fundo, você só pensa em você. Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil. J'avais vu son précédent film, Mutum, qui était aussi sur le thème de l'enfance. Je suis sous le charme de cette réalisatrice parce qu'elle a une manière et un regard sur les enfants qui est absolument unique. C'est un film qui touche une question assez délicate. Là, je trouve qu'il y a cette même perfection de relation avec les enfants qu'on filme, de regard sur les enfants. Ça touche la question de l'enfance abandonnée, ça touche les rapports de classe. Ça m'intéressait de voir encore ce thème de l'enfance dans la ville, une ville en pleine mutation comme Rio. C'est une vraie réalisatrice, c'est une vraie direction d'acteur, c'est un vrai regard sur l'humanité. Et je trouve que Sandra Petrobout, c'est grand dans le cinéma. Je pense que ce festival, il est vraiment bien, il est très solide. Il est fait avec beaucoup de sérieux, il a une vraie place.
Et je suis ravie d'être là avec les filles. C'est une superbe salle, il y a un vrai public. La discussion était vachement bien, le film a été très bien reçu. Pour moi, c'était... En plus, pour moi, c'est particulièrement important. J'ai vécu à Paris. Pendant les 10 ans que j'ai vécu à Paris, c'est un peu là que je suis devenue réalisatrice. J'ai découvert beaucoup du cinéma que j'aime ici, dans cette ville, parfois dans cette salle. Donc c'était vraiment bien pour moi d'être là avec le film. Fala a verdade, Igor. Você não tem a menor ideia de onde a gente está. Love is you. Você tem certeza que não vai vir? Eu vou esperar minha mãe. Deixa de ser teimoso, menino. Você não quer que a sua mãe te ache? A minha mãe deixou você ficar. Só até ela voltar. Love is knowing. Tem uma piscina. Igor, eu vou embora!